مساحة فالفلوري الجيل الجديد للطب والعلاج بمواصفات دولية بمدينة القنيطرة. مساحة فالفلوري مساحة حديثة فتحت أبوابها جديدا لدعم مجال الطب والجراحة والتخصصات بمدينة القنيطرة. اختارت مكانا متميزا في الطريق الرابط بين القنيطرة والمهدية، بعيدا عن ضغط المدينة والشوارع، وقد رحبت ساكنة المدينة بهذا النوع الجديد من مساحات الاستشفاء والطب الحديث مع طاقم متنوع في كل الاختصاصات والخدمات التمريضية العالية الجودة. أقسام عديدة وقفنا عليها تضم جميع التخصصات من الطب العام إلى الجراحة العادية والمستعصية والجراحة بالليزر، كما تتوفر على معدات جراحية وآلات الكشف العالية الدقة والتشخيص الحديث التي تنفرد بها هذه المصحة، مثل سكانر بكل أنواعه وآلات تشخيص القلب والفحوصات بتجهيز إلكتروني حديث متعدد الاستعمالات. كما تتوفر المصحة على قسم الولادة مع وحدة للتعقيم والمركب الجراحي والإنعاش، وجميعها متوفرة داخل مصحة فالفلوري على مدار 24 ساعة. Je suis le docteur Azizi Hassan, anesthésiste réanimateur et directeur de la clinique Valfleury de Kenitra. Cette clinique qui a ouvert ses portes en 2018, la clinique est mise sur le موقع ديالها. En fait, elle est située sur la route qui mène vers Mehdia, sur l'avenue Antara, large qui offre une aire de stationnement qui facilite l'accès à cette clinique. La clinique Valfleury dispose d'un service ou la Katmtez Bouahd, le service des urgences qui est ouvert 24 sur 24 et tous les jours de la semaine. Ce service des urgences, il est doté d'une salle de déchocage qui compte 4 boxes où ils sont équipés de telle sorte qu'on peut prendre en charge 1, 2, 3 malades dans un état grave. Ce service, il est également doté d'un plateau technique d'imagerie médicale qui va de la radio numérisée standard à l'échographie, l'échographie générale, l'échodoppler, même l'écho cardiaque, et également d'un scanner qu'on peut réaliser même le soir 24 sur 24 aussi. Ce service, ceci est très important parce qu'un malade qui rentre aux urgences, on ne doit pas le faire sortir de la clinique pour qu'il complète son bilan. On peut faire tout, on peut le techniquer, faire tout, poser un diagnostic et le traiter par la suite. À côté de ce service, il y a un autre service de réanimation au premier étage. Ce service aussi est qui est mis à la masaha hadi لانه في 4 ديال لي لي 4 لي bien équipés, on peut dire qu'ils sont, si je peux dire, ventilés, et qui chaque lit est équipé d'un monitoring qui nous permet de surveiller les constantes vitales des malades. Les 4 lits sont reliés à une console qu'on peut visiter à n'importe quel moment pour avoir des renseignements sur l'état du malade concerné. Il y a autre chose par laquelle la clinique Valfleury se distingue, c'est les blocs. Les blocs opératoires, il y en a 3 blocs qui répondent aux normes, des normes internationales. Ces blocs, ils sont équipés de matériel de pointe qui permet aux chirurgiens d'opérer dans des conditions optimales, allant dans des conditions optimales avec une sécurité maximale en utilisant le traitement d'air. Il y a des salles qui sont équipées d'un traitement d'air, des plafonds de traitement d'air, et en envoyant de l'air laminaire,
Il y a d'autres qui sont équipés d'un traitement d'air turbulent. Ces blocs, équipés également de matériel qui permet de faire la céliochirurgie pour la chirurgie digestive, l'urologie, la neurochirurgie, la traumato-orthopédie, l'ophtalmo aussi, etc. Il faut dire que la clinique aussi elle est dotée d'un système de sécurité. Ce système de sécurité pour les malades et pour les gens qui travaillent et les gens qui visitent, c'est-à-dire tout le public qui visite la clinique. D'un système anti-incendie qui permet à n'importe quel moment d'alarmer ou d'indiquer s'il y a un... ce système, il est anti-incendie. Il nous permet de ventiler la clinique, il a qadar Allahu qashi hadith. Et il y a une autre particularité avec laquelle je vais terminer cette présentation, c'est que la maternité, située au deuxième étage, possède une salle d'accouchement située au même étage, au même niveau que les chambres d'hospitalisation des parturientes. C'est une salle dont, donc, dans ce cas, la femme qui rentre à la clinique pour accoucher, elle n'accouche, les femmes n'accouchent plus au sous-sol à côté du bloc. Donc, je souhaite que la population de Kénitra soit satisfaite de ce que nous avons apporté, de ce que nous avons amélioré au niveau de cette clinique, et qu'ils vont cesser d'aller voyager pour Rabat ou autre ville pour se faire soigner. هنيئا إذن لمدينة القنيطرة بهذه المصحة والتي تقرب العلاج للمرضى في ظروف عالية وجيدة. وبها نزف لساكنة القنيطرة إعلانا هاما. في إطار دعم الجائحة أعلنت إدارة مصحة فالفلوري بالقنيطرة أنها قررت منح رجال السلطة والأمن والدرك والقوات المساعدة والمتقاعدين تخفيضاً ب 50% عن العلاج العام وتدخل هذه المبادرة ضمن العمل الاجتماعي والتضامني التي تنفرد بها مصحة فالفلوري بالقنيطرة.